Ooh, yeah. Ooh, yeah. Everything's gonna be all right this morning. Ooh, yeah. Salut à tous, c'est Eric Le Gaucher Galago Musique. Aujourd'hui, un titre de légende avec le morceau de Muddy Waters, Manish Boy, un morceau cultissime de Chicago Blues, pour être exact. Il a été créé en 1955, un an après un autre tube de Muddy Waters qui s'appelle Oochie Coochie Man. J'ai d'ailleurs longtemps confondu ces deux morceaux parce qu'on y retrouve des attaques en stop time et puis un riff lancinant comme ça qui arrête pas de revenir. Et dans Manish Boy, on est encore plus minimaliste que dans Oochie Coochie Man puisqu'on joue sur un seul accord. Vraiment, il y a un riff et c'est construit autour de ça. Et pour l'instant découverte, je vous invite à écouter le morceau I'm a Man de Bo Diddley qui aurait carrément inspiré Manish Boy, mais en même temps, I'm a Man aurait été inspiré par Oochie Coochie Man. Bref, on s'y paume un peu. En tous les cas, pour le titre qui nous intéresse aujourd'hui, Muddy Waters, ça fait plusieurs enregistrements. Donc je vais vous expliquer celle de 1977 qui était sortie sur l'album Hard Times. Voilà, un disque produit par Johnny Winter, un autre bluesman bien connu. Bon, ça cause, mais ça joue pas. Alors rapprochage et jouage. Oh yeah. Et donc quatre phrases de guitare qui vont venir s'intercaler avec les interventions de la voix. Première intervention de guitare. Oh yeah. Alors comment je fais ça? Je place l'annulaire à la 8e case de la corde de Si, je slide rapidos jusqu'à 10, je fais durer la note sur laquelle je vais rajouter un petit vibrato. Donc pour le vibrato, soit vous quittez tous les doigts, un peu la BB King et vous faites de gauche à droite, soit vous conservez le pouce par-dessus et vous faites un petit peu de bas en haut, ce que vous voulez. Bref, une fois que vous avez fait durer cette note-là, tant que vous voulez, hein, je veux dire, c'est pas extrêmement mesuré non plus, vous déplacez l'annulaire, vous le placez à la 9e case de la corde de Sol. Vous faites un slide rapide, deux cases à gauche, pour atteindre la 7e case. Et dès que celle-ci sera entendue, on fera un pull-off pour faire entendre la 5e case de la corde de Sol, toujours. Dès que le hammer-on aura été entendu, je rejoindrai la 7e case, la note La, qui est la note fondamentale de notre tonalité. Les fondamentales, j'aime bien les appeler maison, parce qu'elles offrent vraiment une stabilité, on aime bien être chez soi, tout ça. Donc il rejoint sa maison pour terminer cette première phrase. Je vous la refais en entier. Voilà. Deuxième phrase va donner ça. Alors ça, c'est la phrase à connaître par cœur. Alors la première, il va bender à la 7e case de la corde de Sol. Vous placez au moins deux doigts l'un derrière l'autre. Je trouve que c'est beaucoup moins efficace quand on bende qu'avec un seul. Ça, la main prend une position très étrange. Donc non. Ok, vous bendez de façon à ce que le son vous amène à cette hauteur-là, la 9e case de la corde de Sol. Quand vous êtes arrivé à la bonne hauteur, vous bloquez avec l'hypoténar ici, cette partie-là, clac, de manière à pas entendre la note qui redescend. J'arrête, je fais entendre la 5e case de la corde de Si. Cette note-là va être très courte. Elle est tellement courte dans le morceau qu'on dirait en fait qu'il fait presque une dead note. On dirait qu'il s'est planté en fait. C'est pas grave, ça ajoute le petit grain sympa. Donc, vous prenez le temps de bender, vous piquez la 5e case et vous terminez par ça qu'il faut apprendre par cœur de chez par cœur. Ouais. Pour faire ça, vous bendez la 7e case, vous relâchez le bend ce coup-là, dès que cette note-là est redescendue, pull off pour faire entendre la 5e case ici, et on rejoint la maison. Et pour réenrober la maison, il va placer l'index à la 5e case de la corde de Ré, et refaire entendre la maison à hammer-on derrière. Genre... Ouais... Trop bien. La troisième phrase, c'est quand il a fini de chanter Everything's gonna be alright, qui gueule là-dedans. À la fin de la phrase, vous retrouverez un petit plan qu'un certain Jimi Hendrix aimait bien replacer lui aussi. Plan numéro 3. Oh, c'est stylé ça. Donc annulaire à la 7e case de la corde de Sol. Vous slidez rapidos en 9, d'accord. Ensuite de 9 à 7, vous revenez en arrière, c'est décidément pas ce qu'il veut. Après, vous rajouterez le petit doigt à la 8e case de la corde de Si. Une note courte, donc. Et dès que vous avez fait ça, on retrouve le plan qu'on avait à la fin de la phrase précédente. Et pour enrober encore davantage cette fin de phrase, au lieu de refaire que ça, il va faire une série de hammer-on pull-off. Ah ouais, trop la classe.
Donc aussi rapidement que vous le pouvez, vous grattez une fois en 5. Et après, Ameron, pull off, Ameron, pull off. Voilà. Et quatrième et dernière phrase avant d'aborder le riff, c'est... Oh yeah. Donc c'est exactement pareil que les deux phrases précédentes. Ça c'est pareil. Et par contre, on fait entendre la cinquième case du petit mi, la note La, qui est donc également une maison. Et cette note-là très aiguë va dire à tout l'orchestre, hey, « Eh les mecs, j'ai fini !» C'est maintenant qu'on va balancer le... Alors pour le riff, sur l'enregistrement, j'avais du mal à entendre la guitare. Néanmoins, on entend très bien le... Donc je vous invite à le faire de cette façon. Vous grattez le La vide, après cinquième case de la corde de La, après zéro du La encore, troisième case de la corde de La, et on finit par un power chord de La. Ça fait beaucoup de La, je sais. Donc le power chord de La, c'est quand on place l'index comme ceci, vous voyez un petit peu sur le traviole, de manière à faire entendre 2, 2 des cordes de Ré et Sol, et le Si et le Mi sont bloqués. Le pouce est par-dessus le gros mi également. Et vous essayez d'atterrir là-dessus à chaque fois que vous avez fait La, Ré, la note Ré, La, Do, la note Do. Bim. Au niveau des grades graves, vous pouvez faire des allers-retours. Histoire d'enrichir un petit peu le truc. Dès que vous avez fait ça, vous pouvez rajouter, enfin moi j'aime bien le faire, des petites dead notes comme ça. Un peu moins vite. Le mieux, c'est d'essayer de le chanter en même temps, vraiment, parce qu'on l'a bien dans l'oreille. Et avec ça, vous savez tout faire. Oui, il y a un gros ray de lumière là qui m'a rattrapé. J'espère que ça va pas ruiner le contraste de la vidéo, encore une fois. Bah, à la limite, je vais jouer avec. Alors, dernier petit truc marrant, vous pouvez essayer de faire le riff et d'alterner avec les attaques qu'on a vues tout à l'heure. Ce qui n'est pas facile, c'est d'arriver à trouver la juste durée pendant laquelle vous pouvez placer les plans, parce que ça ne dure pas longtemps. Tchac, 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 tchac. Vous avez deux tchac-tchac pour remplir une phrase et revenir rapidos de manière à pouvoir enchaîner avec le riff. Je préfère me rapprocher un petit peu pour la fin. Plein de bonnes choses à vous, jouez bien, amusez-vous bien. Et puis vous pouvez montrer ce genre de morceaux aux débutants, par exemple si vous avez un ami qui veut se mettre à la guitare, vous lui dites « est-ce que ça te dirait de jouer ?» Normalement, il dira oui. Et vous serez également ravi de lui expliquer, parce qu'il n'y a pas grand-chose et ça sonne d'enfer. C'est du blues, quoi. Allez, je vous laisse avec le soleil. Plein de bonnes choses à vous. Et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Au soleil. Ou pas. Soleil. Ou pas. Bon, d'accord, j'arrête. À bientôt. Ciao.